Allez, bonjour et bienvenue sur simulagri.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le pack Liber 524. Vous en parler un petit peu et puis vous mettre le lien de téléchargement puisque vous êtes quand même pas mal à me le demander. Il vient d'être refusé sur le modhub. Bon, comme de nombreuses personnes, hein, de nombreux modeurs hein, qui essayent de reprendre les modèles de Giants, ils ont une nouvelle contrainte. Maintenant, on ne peut plus reprendre des 3D de Giants pour les remettre sur le modhub. Il faut qu'il y ait des modifications au niveau de la 3D. Donc là, ce qu'ils m'ont demandé, à minimum, c'est qu'on puisse ouvrir la porte. Alors déjà, c'est complètement con parce que les contrôles souris sur les chargeuses et les télescopes bon, sont déjà quand même pas mal chargés. Et en plus de ça, ça demande à refaire de la découpe, à tout reskiner. Et franchement, c'est du boulot pour rien. Donc bon, le seul hic, c'est que les joueurs consoles bah, vont être mis de côté puisque je vais le mettre à dispo. Là, vous l'avez dans la description, le lien, ce sera uniquement sur PC. Donc c'est un pack. C'est du reskin retravaillé un petit peu, donc c'est un 538 en fait qui est disponible sur le modhub, retravaillé en 524 puisqu'il partage le même design. En tout cas, il y a 10 ans, il partageait le même design, c'est plus le cas maintenant, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Alors j'ai revu les couleurs, le gris et le jaune, j'ai réaccordé ça pour que ce soit plus sur les couleurs actuelles de Liber. J'ai remodifié tous les phares, donc j'ai sauté tous les phares parce que c'est un modèle d'FS15 hein, quand même à la base, donc on avait des bêtes chrome là ici. Tout a sauté, j'ai remis les phares qu'il y a dans les assets de Giants de Farming Simulator 19, donc vous les avez ici. Hop, qu'est-ce que j'ai revu? J'ai revu les dirt un peu parce qu'ils étaient chargés, j'ai refait un truc beaucoup plus léger. Je vais vous le montrer en shop, j'ai rajouté également des configs de pneus. Hop, il est là, j'ai refait les vignettes au passage. Donc config de pneus, il y avait déjà Trailborg Michelin, j'ai rajouté un Mitas et j'ai rajouté un Okian pour des pneus communaux. Les gyros, j'ai corrigé parce que c'était bourré d'erreurs en fait. Même XML, c'était assez impressionnant parce que maintenant Giants nous fournissent un outil qui s'appelle Test Runner. Je ne l'ai pas lancé dans Test Runner, le mode de base, hein, le 538, et c'était bourré d'erreurs. Donc voilà, j'ai corrigé toutes les erreurs. Maintenant, il y a tous les gyros, il y a voilà, on a même la rampe. On a deux configs moteurs, donc une config plus légère que le 538 et une config L524 Speeder, qui est avec un moteur un peu plus musclé. Et c'est à peu près tout pour ce 524. C'est à peu près tout. Et la fameuse plaque d'immatriculation. Très très important la plaque d'immatriculation. J'accompagne ce petit outil de trois outils Maxi. Donc ce sont les trois outils du jeu de base que vous avez, qui ont été reskinés pour avoir les couleurs qui s'accordent donc à ce modèle là. J'ai rajouté un petit sticker Liber Edition, histoire d'eux, voilà. Et j'ai refait un petit peu de pièces métalliques dessus, puisque je trouvais que ça manquait un petit peu de pièces. Donc j'ai remis un peu d'aspect métal. Bon là vous le voyez usé, hein, mais normalement il est clean hein, le truc. C'est à peu près tout. Sur celui-là c'est pareil, j'ai remis quelques petites pièces métalliques, du gris, du jaune, des petits stickers. Et pareil pour celui-là, il n'y a rien de ouf, hein. Vraiment, il n'y a rien de ouf. C'est juste que je voulais un pack qui s'accorde bien au niveau esthétique. Voilà, je vous mets le lien dans la description, donc ça va vous ramener sur Simulagri avec un petit descriptif, des petits screens et le lien de téléchargement. Donc ce ne sera pas du modhub, désolé pour les joueurs console, encore une fois. Peut-être que si un jour je retravaille sur ce genre de projet, Je prendrai le temps de refaire dès le départ une découpe de porte, puisqu'il demande vraiment que ça. Hein. C'est, on peut reprendre, mais il faut faire au minimum une découpe de porte. Mais voilà, c'était un projet perso que je vous partage et j'espère que ça vous plaira. Je ne vais pas vous dire de mettre 5 étoiles sur le modhub puisque ça ne sert strictement à rien. Quoique, ça pourrait être marrant de voir ce que ça fait si tout le monde fout 5 étoiles. Est-ce que ça leur fait un petit ping chez eux? Tiens, il y a un mod qui n'est pas sur le modhub qui est pingé en 5 étoiles. Je ne sais pas. Bref, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, au moins un petit merci si ça vous plaît, et puis bah, je vous dis à très bientôt sur simulagri.fr. Ciao les amis!